C'est une des locations saisonnières préférées des Réunionnais, le camping. Les petites tentes ou les grandes tentes safari pour ceux qui préfèrent un peu plus de confort. Et le confort, en camping, c'est d'avoir tout sous la main, ne pas avoir à prendre la voiture. À proximité, commerce, donc grande distribution, restaurant, et surtout pour les enfants, des espaces sécurisés. Le camping offre tout cela, certains y viennent depuis sa création. Ma fille a 26 ans. 30 ans. Oui, ah oui, 30 ans. C'est mon garçon qui vient de gagner, justement. Et ben, ça fait tout ce temps-là, on fait du camping. Le camping pour se détendre et retrouver ceux qui sont devenus des amis ou le deviendront. Un mot sur toutes les lèvres, la convivialité, même si le coronavirus a modifié les règles du vivre ensemble. Mais apparemment, pas encore avec le truc sanitaire. Le camping est moins animé qu'avant, mais surtout avant, c'était beaucoup animé. Il y avait des soirées dansant, des soirées karaoké, des cinémas pour les enfants, des concerts, c'était très bien. Donc il y a le port du masque à l'accueil. Donc il y a une désinfection évidemment beaucoup plus régulière des sanitaires. On a mis des distributeurs de savon donc, dans tous les sanitaires. Dans la salle de jeu, donc port du masque obligatoire, plus du matériel désinfectant à l'entrée. Donc on a vraiment tout fait pour assurer les campeurs pour qu'ils viennent dans le camping avec des conditions de sécurité sanitaire optimales. Quand on part passer quelques jours en famille et entre amis, la préoccupation première, c'est les enfants. Comment les occuper tout en leur laissant une marge importante de liberté et par là même s'offrir des moments de répit. Ben, c'est un changement par rapport aux enfants. Comme nous allons en vacances, ben, nous en profitons maintenant un peu de vacances pour une semaine. Ben, ici, les enfants, ben, ils jouent comment ? Ils s'amusent, ils montent, ils tournent, ils ont plus d'activités. Mais vous ne leur laissez pas le droit de sortir du camping tout seul ? Non. Quand on nous sort, on met les enfants avec nous une journée ou deux heures dans la plage. Et après, maintenant qu'ils arrivent, ben, ils prennent le bain et rejouent dans la cour. Quand maman a beaucoup levé, je joue un peu de vélo. Après, quand maman a levé, je joue. Je vais manger mon petit déjeuner. Après, je vais baigner. Dormir sous la tente, c'est cool. Parce que moi, je dors en même. Je dors avec lui. On a un matelas. À la plage, c'est cool parce qu'on peut faire des châteaux de sable, nager, jouer au ballon, au tennis, tout. Et ici, c'est cool parce qu'il y a du badminton. Après, il y a le club enfant. Après, il y a des activités manuelles. Trottinette, bicyclette et bien sûr, jeu de plage. Le poste MNS juste devant le camping rassure toujours les parents hésitants.